travaux d'excavation pour de l'eau. On est en train de creuser ça. Gros projet. La circulation est une voie à la fois. Sur Saint-Isidore. Là, c'est la ville. Bonjour. Dans le détour, les poids lourds passent ici, mais les autos les font passer ailleurs. Il y a du sens. Parce qu'aussi, ce qui aide, c'est qu'on a enlevé le trottoir. Ça nous a fait un palier, tu sais. Il y aurait une fuite d'eau en dessous de ça, fait qu'ils sont creuses pour aller chercher la fuite d'eau et corriger ça. Ça implique un gros trou comme ça. Avec un zéro. Il y a plein d'autres trucs nécessaires. Comment je suis tiré? Explorer pour trouver le tuyau de cuivre, pas le percer. Ça laisse là-haut. Commence à faire une portée profondeur, ça. C'est la terre avec précision. Je pense qu'ils ont trouvé la place. Là. Il y a fait un pixel. On va trouver ça. Et voilà, la valve défectueuse était trouvée. Ça va être à changer. Donc voici un petit peu l'ampleur du chantier. Il y a un véhicule là-bas, on s'en vient. C'est ça. L'équipe est là. Bonne partie équipement de ville ici. Ouais. Le travail, ça doit être fait. Le dos, c'est important. C'est important que ça soit éliminé. Les messieurs, ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de l'éliminer. D'abord, ben, il y a quelqu'un qui bloque le trafic à l'autre bout. Pour dévier le trafic. Circulation contrôlée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les gens restent pas là jusqu'à la fin, ils en ont pas une couple d'heures encore. Donc, c'était une petite tranche de vie à Saint-Lin, le 18 octobre, durant la journée. Ça, c'est les travaux qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont changé le bonhomme à l'eau, la valve du bonhomme à l'eau en dessous. Donc, ils ont refermé ça. L'eau avait été coupée une bonne partie de la journée pour les résidents, etc. Et là, maintenant, c'est réglé. Il y a un autre dossier de réglé. Ça, c'est les travailleurs de la ville de Saint-Lin qui ont fait ça. C'est pas le contracteur.